Patrick, vous pouvez y aller. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on est là pour parler de la gamme Gibiedo en cartouche bio. En effet, nous avons développé depuis maintenant 2 ans une gamme très longue pour la chasse au gibier d'eau. Ceci afin de couvrir tous les usages et surtout s'adaptant à tous les types d'armes, puisque aujourd'hui il existe encore pas mal de fusils non éprouvés et billes d'acier, et on a donc développé ces cartouches pour ce type de fusil. Alors, la particularité de la Bourbio, avant tout, c'est sa performance, et elle est due à quelque chose qui est très particulier, c'est l'obturateur derrière la bourre. Si Mathieu peut nous montrer la partie arrière de la bourre. On n'est pas en face. Voilà. En effet, vous voyez cette partie, c'est une collerette en carton, et cette collerette est très souple et elle permet une étanchéité parfaite dans tout type de canon. Il faut savoir aujourd'hui que sur le marché en calibre 12, vous avez des canons qui démarrent à 18,2 mm et qui vont jusqu'à 18,9 mm. Une bourre-jupe plastique standard est en moyenne à 18,6, si bien que tout le monde peut comprendre qu'il y ait des pertes de gaz entre la bourre et le canon, puisqu'il n'y a pas d'étanchéité. Là, grâce à notre bourre en carton, avec son obturateur souple, vous avez zéro perte de gaz et vous avez une étanchéité parfaite sur tous les diamètres d'armes de canon, avec un rendement vraiment maximum. Cette partie-là donne vraiment l'optimum d'efficacité. Il faut savoir que on a à distance égale avec une bourre-jupe plastique entre 15 et 20% d'efficacité supérieure. Quand je parle d'efficacité, c'est distance de tir augmentée de 15 à 20%, pénétration, c'est-à-dire que les billes d'acier ou de plomb, selon les usages, selon l'endroit où on chasse, ont 15 à 20% de pénétration en plus, et de bien meilleurs groupements, puisque la bourre en carton est faite pour se détacher de la gerbe très très rapidement, et donc nous avons des concentrations de billes bien meilleures que sur une bourre jupe plastique. L'autre particularité de notre bourre en carton, c'est qu'on adapte la hauteur du carton en fonction de ce que l'on recherche. Si l'on veut des gerbes serrées, eh bien on met toute la gerbe à l'intérieur du tube. Et si l'on veut des gerbes un peu plus ouvertes, et ça s'applique uniquement sur tout ce qui est autre que l'acier le sphéro, mais pour le plomb ou le bismuth, on peut diminuer les tailles de tubes, et donc vous allez avoir une dispersion de gerbes plus grande et des ouvertures de gerbes plus grandes que sur une gerbe contenue dans un tube complet. L'autre particularité aussi, c'est que l'on prédécoupe les tubes en carton au moment de la fabrication, et en fonction du nombre de prédécoupes, vous allez avoir des ouvertures de gerbes plus ou moins importantes. Plus il y a de prédécoupes, et plus la jupe va s'ouvrir rapidement, et à ce moment-là, libérer le plus rapidement la gerbe, et donc avoir des gerbes les plus concentrées possibles. Plus la gerbe est libérée vite, et plus elle est serrée.
Ensuite, nous avons joué sur différents composants pour charger nos cartouches. Aujourd'hui, nous chargeons nos cartouches avec, pour le gibier d'eau, de l'acier étamé. L'avantage d'un acier étamé, c'est qu'il est complètement... on n'a pas de problème d'oxydation. Et donc, les animaux prélevés pourront être congelés et vous n'aurez pas ce phénomène de taches brunes tout autour de la bille quand vous allez manger votre volatile. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a travaillé sur des billes autres, puisque l'acier ne faisant pas l'unanimité. Nous avons travaillé sur du bio-TS, c'est-à-dire du tungstène super, avec une densité de 15. La particularité du bio-TS, c'est qu'il est 30% plus dense que le plomb, donc beaucoup, beaucoup plus efficace. Et il va vous permettre de pouvoir tirer à des distances assez importantes et jusqu'à 70 mètres. Ensuite, nous avons développé une gamme de produits en alternative. L'alternative, qu'est-ce que c'est? C'est un alliage à base de bismuth, de zinc, d'étain et d'aluminium. La particularité de cet alliage-là, c'est qu'il est dur comme du plomb nickelé. Il est aux environs de 60 vickers. Et il va permettre de libérer une énergie au moment de taper, au moment de quand la bille rentre dans l'animal. Alors, aujourd'hui, il faut savoir que quand on tue un animal avec du plomb, c'est l'effet d'écrasement de la bille dans l'animal qui libère une énergie, une onde de choc qui fait que les organes vitaux s'arrêtent, le cœur, ainsi de suite. Plus on est mou et plus la bille a des pouvoirs de libération d'énergie. Et enfin, là, elles ne sont pas sur la table puisque c'est la grosse nouveauté de cette année. Nous sortons une gamme complète de cartouches en sphérotungstène qui sont des billes moitié tungstène, moitié acier, qui donnent donc des densités équivalentes au plomb, donc des balistiques en distance de tir équivalente au plomb. Et enfin, la dernière nouveauté qui va arriver dès cette année, toute une gamme de cartouches en bismuth qui, elle, sera étamée de la même façon. Et l'avantage de notre bismuth que l'on rentre, c'est qu'il sera étamé deux fois de façon à ce que le bismuth ne s'effrite pas. Les billes de bismuth vont s'écraser comme du plomb. L'avantage du bismuth, c'est qu'il est très, très, très proche en densité du plomb et il va nous permettre d'avoir une efficacité similaire à celle du plomb. Le seul inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, le bismuth coûte à peu près 10 fois le prix du plomb. Mais bon, dans le futur, si le plomb vient à être interdit, comme c'est sûrement le cas, nous commençons à travailler sur de vrais substituts pour que les gens puissent s'adonner à leur chasse favorite. Voilà. Donc, dans la gamme, on a deux types de produits. Donc, on a des produits dits pour fusil éprouvé billes d'acier. Donc, si vous pouvez nous mettre la fiche technique. Voilà, donc la particularité, non, ça c'est pour les basses pressions, c'est pas grave, on va commencer par celle-là. Ça, donc, c'est la gamme de produits qui est faite pour tous les fusils non éprouvés billes d'acier en 1267, 1270 et 1276 des anciennes générations. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on a des substituts qui sont très performants, d'une dizaine de mètres jusqu'à une cinquantaine de mètres. À vous de bien choisir le produit
qui vous va et qui vous permettra d'avoir l'optimum de ce que vous avez besoin sur votre mare ou pour tirer au volet, à la volée. On a développé une gamme de produits très, très, très particuliers parce que, comme vous le savez tous, quand on chasse avec des cartouches billes acier, la totalité des billes doivent être contenues dans le tube. Et donc, ce qui ne permettait pas d'avoir des cartouches pour tirer près, comme à l'époque quand on chassait avec du plomb et des bourres grasses. Et donc, on a développé une gamme de cartouches qui s'appelle Trio. Et à l'intérieur de ces cartouches Trio, on a mis trois tailles de billes superposées les unes au-dessus des autres, avec toujours la plus grosse au fond du tube. Et ces produits-là permettent d'avoir des gerbes très ouvertes très rapidement. Et on a exactement le même effet qu'une bourre grasse. Et ces produits-là vont vous servir soit pour tirer les baquets opposés quand vous êtes à la hutte à des distances entre, on va dire, 12 mètres et 25 mètres. Et le gros avantage de ces cartouches-là, c'est pour chasser à la passée le soir. Et là, vous allez vous apercevoir que vous allez à nouveau prélever du gibier, puisque quand il fait nuit et que l'on voit un canard, il a en moyenne entre 15 et 25 mètres, donc avec des distances de tir très proches. Et ce type de cartouches vont énormément augmenter vos chances de prélèvement, puisque la gerbe est fait entre 40 et 50% de plus qu'une gerbe standard acier en diamètre. Voilà. Après, c'est toujours pareil, ça dépend du choc, ça dépend de la longueur du canon, mais en globalité, si on doit comparer dans le même fusil, dans le même choc, si vous tirez une bourre-jupe avec de l'acier normal, ben vous allez avoir une gerbe très serrée, et si vous tirez une trio, votre gerbe va s'ouvrir énormément. C'est dû à un phénomène physique, puisque les grosses billes dans la cartouche vont pousser les billes moyennes, qui vont pousser les petites billes, et par on va dire un chargement assez astucieux, on arrive à avoir des gerbes très, très, très belle, très dense et en même temps très ouverte. Voilà. Donc, si on peut passer sur la deuxième fiche pour les fusils éprouvés billes acier. Voilà. Donc, pour les fusils éprouvés billes acier, vous voyez que nous avons des 15 mètres, des trios en bioisocile 42. Et vous allez avoir des trios en bioisocile 50 pour tirer jusqu'à 30 mètres. Ensuite, vous avez toute une déclinaison de produits acier, sphéro et tungstène super. On a développé la grosse nouveauté de cette année, c'est qu'on a fait des BioTS 32 qui vont vous permettre de tirer au vol. Et aussi de tirer opposé avec des billes qui vont de 5, 7 et 9. Alors, ne vous étonnez pas, vu que les billes sont 30% plus denses que de l'acier, que du plomb, excusez-moi, une bille de 9 a le même pouvoir tuant qu'une bille de 6 en plomb. C'est l'inverse de l'acier. En acier, souvent, on dit qu'il faut tirer des billes un peu plus grosses pour la conservation d'énergie. Là, l'inverse est vrai, c'est-à-dire qu'il faut tirer des toutes petites billes pour avoir le même rendu que du plomb. Et l'avantage que vous avez, plus vous avez de billes avec l'énergie cinétique en question, plus vos gerbes seront fournies et plus vous aurez de possibilités de prélever du gibier. Donc ça, c'est bien une gamme qui est faite pour tirer avec des fusils éprouvés billes d'acier. Donc il y a des 12-70, des 12-76, des 12-89. Oui, c'est très très bien ce que vous alliez passer.
Et je ne savais pas si vous vouliez la mettre maintenant, mais on peut la diffuser. Voilà. Non, non, mais justement, on va voir ce qui se passe à la sortie. Voilà. Là, vous avez une présentation, un film vidéo qui a été tourné à 50 000 images secondes. Et là, vous voyez bien la sortie de la gerbe de la Bourbio. Et vous vous rendez compte de la qualité de la gerbe. Vous avez une gerbe très, très serrée, donc pour aller chercher très, très loin. Donc, dans ce qu'on sait faire maintenant, on sait, grâce à notre bourre en carton, on sait faire pour tirer près, pour tirer loin, et surtout avoir un optimum à chaque distance de tir et à chaque type de chasse au gibier d'eau, que ce soit pour tir opposé ou que ce soit tiré au vol. On a même développé toute une gamme de cartouches pour les milieux humides, pour chasser le chevreuil, puisqu'il y a de plus en plus d'endroits où le plomb est interdit pour chasser le chevreuil, sur des départements comme la Vendée, comme Charente-Maritime. Dès qu'il y a des marées, le plomb est interdit. Donc, on a développé aussi des cartouches pour chasser le chevreuil en bourbio et donc 100% écologique. Pour revenir enfin, là, on a parlé d'efficacité, on a parlé de qualité de cartouche. Le dernier point positif sur lequel il faut quand même parler, c'est que l'avantage de notre bourre, une fois tiré, alors si c'est tiré sur une nappe phréatique, ben, elle disparaît très très vite puisque le carton se mouille et disparaît. Si c'est tiré sur de l'herbe et quand il pleut, et ainsi de suite, la bourre disparaît en 3 semaines, 1 mois, tout dépend le degré d'hygrométrie et surtout la faune. La microfaune qui se trouve dans le sol qui se délecte du carton. Voilà. Et par rapport à la sécurité, nous avons déposé aussi le fait d'imprimer la bourre, ce qui fait que une fois qu'elle est imprimée, la bourre est mise dans la cartouche, vous saurez toujours ce que vous avez dans les poches, contrairement à ce qui se faisait jusqu'à maintenant, puisque les tubes étaient imprimés à l'extérieur, et donc dès que vous mettiez les cartouches dans les poches, et ainsi de suite, ben les impressions s'effacaient. Là, si vous gardez votre cartouche 15, 20 ans, 30 ans, et ben vous aurez toujours ce qui est écrit et ce qui est à l'intérieur, puisque tout est écrit sur le tube en carton. Ça, c'est aussi par rapport à la sécurité. Ça évite de tirer des fois un chevreuil avec du 10 ou une bécasse avec du 2, parce qu'on ne sait plus ce qu'on a dans les poches. J'espère que je vous ai fait faire le tour de la technicité et de l'apport de technologie sur ce produit qui font que nous sommes beaucoup plus performants. Je ne sais pas comment on fait, si on passe déjà aux questions. Oui, Patrick, tout à fait. Vous pouvez commencer à répondre aux questions et j'en profite pour rappeler aux spectateurs qui peuvent proposer des questions dans la discussion et on pourra y répondre sans problème. Est-ce qu'il y a eu déjà des questions ? Alors, vous avez une question. Quelle munition pour le tir du pigeon à 35 ou 40 mètres en étant bio, puisqu'il se trouve qu'il y a de l'eau à proximité ? Alors, je vous dirais que vous allez pouvoir tirer jusqu'à 35 mètres, vous allez pouvoir tirer des bio-isostyle 50 à Magnum, des bio-isostyle 42, ça risque d'être un peu juste. Et après, par contre, vous allez pouvoir tirer tout ce qui est bismuth ou… voilà, vous voyez, donc les bio-isostyle 42 sont donnés jusqu'à 37 mètres 50. Donc après vous avez les bio-isociles 50 HEV. Vous pouvez tirer aussi des 12,89, mais bon, pour tirer du pigeon, je trouve ça un peu dommage. Mais après vous avez aussi, alors il faut faire attention, c'est pas parce que les cartouches sont dans la série pour tout fusil qu'elles ne sont pas performantes aujourd'hui. Ce qui nous permet de positionner, par contre, par exemple, les cartouches
en bismuth dans la série Tout Fusil, c'est parce que le bismuth est... Alors, elle est pas, c'est pas sur celle-là de fiche, c'est sur l'autre. Le bismuth est un élément qui est mou comme le plomb. Donc, aujourd'hui, passe dans tous les fusils. Les alternatives, vous voyez, vous avez une abus alternative 42, 35 mètres, c'est tout juste pour tirer du pigeon, mais une abus alternative 50 peut faire l'affaire aussi pour tirer du pigeon. L'avantage de ces tableaux que Mathieu nous a fait, c'est qu'en un seul coup d'œil, on sait exactement ce que l'on peut tirer en fonction de la distance où on veut tirer. Merci. J'espère avoir répondu à la question. On a une seconde question dans l'audience. Est-ce que le bio est du coup plus cher que le plastique ? Alors, je vais être clair, oui, un peu plus cher. De toute façon, c'est une nouvelle technologie. Je vous dirais que vous pouvez comprendre que la peau bio est faite de différents éléments. C'est aujourd'hui un peu plus cher. Par contre, aujourd'hui, c'est aussi beaucoup plus efficace qu'une bourgeoisie plastique. Donc, pour ceux qui recherchent l'efficacité, qu'est-ce qu'il vaut mieux, tirer une cartouche efficace un peu plus chère ou deux mauvaises cartouches et qui coûteront quand même plus cher que la cartouche efficace? Voilà. Donc après, je pense vraiment que déjà c'est un acte citoyen, l'écologie est de partout. On se dit les premiers chasseurs, les premiers écologistes de France. Il se jette énormément de plastique à travers les bourgs plastiques, les cartouches et les bourgs plastiques en France. C'est énorme, il se jette à peu près 1500 tonnes de plastique. Je pense que si on est citoyen, si on veut préserver notre art de vie, il faudra qu'à un moment ou un autre, on fasse ce qu'il faut pour ne plus polluer. Tout à fait, merci Patrick. On nous pose une question, chez quel revendeur acheter nos cartouches? Alors, vous allez trouver nos cartouches chez tous les armuriers français. Et je pense qu'il y aura... j'espère que tous les armuriers vont suivre le mouvement et pourront vous proposer de partout en France ce type de cartouches. De toute façon, il faut qu'on va mettre, je pense, en place un fichier sur le site de Rivolier pour donner les revendeurs qui ont du bio pour que vous puissiez vous approvisionner. Tout à fait. On enchaîne sur une autre question assez intéressante. Est-ce que Joker est une marque française ? Oui, Joker est une marque 100% française. Elle a été créée en 1974 par un monsieur qui travaillait à Nîmes, qui s'appelait Monsieur Nuel, et dont j'ai racheté sa société en 2012. Et j'ai rapatrié ses machines. Et depuis 2012, eh bien, on essaye d'avancer, de toujours créer de nouveaux produits. Et surtout, notre leitmotiv et notre volonté, c'est d'avoir des cartouches innovantes, hyper performantes et surtout très douces à l'épaule, toujours très douces à l'épaule. C'est très important. On peut enchaîner sur un dernier sujet avant de terminer cette conférence. Quelqu'un se demande en fait comment voyez-vous l'avenir avec la suppression du plomb dans les cartouches ? Voilà, parce que comme vous l'avez précisé, il s'agit d'un sujet plutôt écologique, un sujet d'avenir. Comment vous voyez cette transition-là ? Alors, moi, si vous me posez la question, aujourd'hui, je pense que la suppression du plomb est plus liée à des mouvements européens anti-chasse qui ont bien compris que s'ils veulent faire disparaître la chasse, il faut faire disparaître le plomb dans les cartouches.
On sait que de toute façon, on n'y échappera pas. C'est pour ça que dès aujourd'hui, nous, on s'est préparé avec toutes des gammes de produits sans plomb, avec des usages équivalents au plomb, avec même des usages supérieurs. Nous avons même travaillé, et nous sortons cette année, mais on en parlera demain matin, sur la chasse au petit gibier, toute une gamme de bourres bio-fiber, puisque nous avons déposé un brevet sur une bourre grasse sans obturateur plastique. Et elles seront faites, elles seront assemblées avec du bismuth étamé, avec un double étamage. Et l'avantage de ces cartouches-là, c'est que j'ai réussi à convaincre un fabricant de bismuth de nous faire des billes jusqu'au numéro 8 pour pouvoir continuer à chasser la bécasse et d'autres gibiers qui nécessitent des petites billes, puisque jusqu'à maintenant, le bismuth se trouvait en plus petites billes, en numéro 6. Donc, il y a du gibier, je pense au perdreau, je pense au bécasse, je pense à plein de choses qui ont besoin d'une plus petite bille. Et c'est pour ça qu'on a travaillé à ce sens et qu'on a sorti et que les cartouches sortiront cette année déjà pour tous les amoureux de la chasse au chien d'arrêt et qui tirent à de courtes distances et souvent que des bourres grasses. Mais de toute façon, sauf chamboulement, je pense que sous 2-3 ans, l'acier et les substituts seront à 100% dans nos cartouches, puisque le plomb est voué à disparaître, à être interdit aussi. Merci. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser, on est là pour y répondre. Je pense qu'on aura terminé avec cette conférence. Il semble qu'il n'y ait plus de questions pour le moment. N'hésitez pas à vous rendre sur notre stand du Salon J'aime la chasse. Vous avez notamment une vidéo à disposition avec des explications supplémentaires dans le hall 1 du Salon J'aime la chasse, le stand Rivolier Armes et Munitions. Bon. Et si vous avez des questions, vous pouvez également nous contacter sur ce stand-là par le biais d'un chat. En tout cas, ça fait bien qu'on se tient en permanence à votre écoute pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Et si vous le souhaitez, demain, on aura une conférence sur les cartouches pour l'usage au petit gibier, palombe avec le plomb. Et je vous remercie de votre attention et je vous dis à demain matin. Merci beaucoup Patrick pour votre intervention. En effet, on se retrouve demain de 9h à 9h45 sur ce même hall de conférence autour du sujet Joker dédié pour le petit gibier. Vous pouvez également retrouver toute la gamme Joker sur le site rivolier.com. Merci à tous, très bel après-midi.